C'est quoi l'intérêt de faire des films en indépendant aux États-Unis par rapport au fait de faire des films de studio? C'est que quand vous êtes indépendant, vous avez peu d'argent, mais par contre, vous avez, on pourrait dire, un avantage qui intéresse énormément John Carpenter, c'est que vous avez le contrôle total sur ce que vous faites. De l'écriture du scénario au tournage, au montage, vous êtes maître de votre film. Quand vous travaillez pour un gros studio, vous êtes maître jusqu'au moment où le studio vous dit qu'il faut remonter un peu, qu'il faudra enlever cette séquence, que c'est un peu trop violent, etc. Donc, vous trouvez une sorte de consensus avec le studio. Donc, c'est très très dur pour un cinéaste américain d'arriver à faire un film qui soit très personnel, sur lequel il est complètement en contrôle, à l'intérieur d'une grosse machine hollywoodienne. Donc, John Carpenter se dit, mais moi j'ai envie de faire des films qui me ressemblent et j'ai pas envie de faire de concessions avec les grands studios, donc je vais revenir en indépendant. Donc on est en 88, c'est le deuxième film que John Carpenter fait en indépendant. John Carpenter va réaliser The Live, qui est sans doute son film le plus critique à l'égard aussi bien du mode de vie américain de l'époque, de la politique américaine de l'époque, de l'histoire américaine, presque une sorte de charge au vitriol contre l'Amérique des années 80. Il y a eu avant les années 70, qui ont été des grandes années de liberté et de création dans le cinéma américain. Les années 80, c'est le règne des films familiaux, du retour à des valeurs un peu morales, un peu classiques, le retour de l'idée de la famille, le retour du patriotisme, le retour du consumérisme, des films qui vont plutôt flatter le capitalisme, la réussite individuelle, enfin toutes ces choses-là. Autant Carpenter se sentait plutôt à l'aise dans les années 70, autant les années 80, c'est le contraire de ce qu'il est. Toutes ces valeurs-là, contre lesquelles va se dresser John Carpenter, et qui font tout l'intérêt évidemment d'Invasion Los Angeles, ne peuvent se comprendre que si on voit que c'est un film qui est réalisé à un moment particulier. Et de l'histoire du cinéma américain et de l'histoire de la politique américaine. Et John Carpenter se sent d'un seul coup un peu dégoûté, extrêmement énervé par ce qui est en train de devenir son pays. Et donc, là, on pourrait presque dire que la motivation première de John Carpenter quand il fait Invasion Los Angeles, c'est ça. Invasion Los Angeles, aujourd'hui est vu sans doute comme un des films les plus pertinents. Et les films les plus critiques de John Carpenter sur l'Amérique des années 80, hein, un des films les plus politiques aussi de John Carpenter, et un film qui aura une influence très importante dans la pop culture, et on pourrait même penser qu'un film comme Matrix, réalisé une dizaine d'années plus tard, est un film qui doit beaucoup à Invasion Los Angeles, puisqu'on a le même principe d'un côté de la matrice, qui est l'illusion de la réalité qu'on nous fabrique, et puis de l'autre, la réalité qui est beaucoup plus sordide que ça, ce qui est exactement le cas de Invasion Los Angeles. Quand on sort d'Invasion Los Angeles, on réfléchit à plein de choses. On se dit, oui, mais alors, c'est quoi effectivement la société dans laquelle on vit? Et est-ce que la publicité, c'est quelque chose de totalitaire ou pas? Est-ce que les exclus, ils ont leur place dans le monde qu'on est en train de construire? C'est un film qui date de 88, hein, qui a plus de 30 ans. Et on voit combien Carpenter a, pour le coup, avait un coup d'avance. Comme tous les grands artistes, il voit quelque chose dans le présent qui va advenir. Il a un coup d'avance. Et il nous raconte quelque chose qui est advenu. Carpenter l'a souvent dit dans les entretiens, on n'est jamais sorti des années 80. Et il a raison. Est-ce qu'on vit pas aujourd'hui dans Invasion Los Angeles, mais à la puissance 10? Réponse oui. Donc évidemment qu'il faut revoir Invasion Los Angeles et se dire que, ben, se poser la question, finalement, quels sont ceux qui se cachent derrière les extraterrestres?